Voilà, bonsoir Mbote Kimia Mabota Nabino, Ezali Bongo, émission Nabino, Bozali Kolanda, Mikolo Mingi, Tozali na yango, Ezali Bongo, Nakombo ya Masolo ya Mboka Neng, Bozali Komona yango, Tobeta Rabongo Masolo ya République démocratique du Congo, Tozala Rabongo na ba secteur Nyonso ya vie. Alors, vous avez été actualité, Ezali Bongo dominé na speech topé. Lisolo oyo mokonzi mboka ebaki bongo na kosolo la ozali devoir moko constitutionnel état de la nation mokonzi ebaki na kosala yango asala ki discours devant congrès ozali bongo ba chambre nyonso mibale ya parlement ozali ki réuni sénat tout comme assemblée nationale mokonzi apesaki état de la nation discours elandamaki mokili mobimba discours elandamaki congo mobimba discours ba kinwa nyonso balandaki. Alors lelo na lokota penza la moko ya lokota ya misolo ya mboka na biso na linga la penza to lito solo la yango na moko ya politique azali bongo analyste politique ye akopesa biso o ezali bongo ba impression na ye to pe lecture nini ya sali parce que na nzela ya discours na lokota ya français balbaka il faut lire entre les lignes. Alors ye compréhension nini ya sali na discours oyo na ebite mutu nyonso alandaki yango mutu nyonso aza na ndenge ayokeli pe discours ya mokonzi ya mboka. Ndeko George Milungu mbote na yo boye malamu. Mbote ndeko Brad, mbote na bato balekisita na bango mpona kolanda biso na ngonga oyo. D'accord. Mokonzi ya mboka atenaki bongo promesse na ye mbala isato ndenge constitution ezali kosenga esengeli asadresse na mboka asala état de la nation, état de lieu esika wapi azwaki Congo epai wapi Congo ekomi epe epai wapi azali komema yango. T'entre de jeu. Na kolanda bo la discours ezalaki bongo 1h20 minutes bande ko batanga ki yango. Alors, au retenir nini to posali lecture nini na discours. Oui, na c'est que na ko retenir ke mokonzi ya mboka a sali ndenge constitution esengi. Chaque fin de l'année, il faut sala état de la nation. Et effectivement a sali, mais seulement na constaté nga moko ke à lobby na maloba na ye ndenge Kabila alobaki ki nazangi 15 meilleurs collaborateurs Kabila atanga ki nombre mais siko ya lobby ki azangi ba collaborateurs c'est pourquoi ba projet ezo tambulate c'est pourquoi justice makambo zo kende kidi kidi c'est pourquoi ba domaine nyonso yo azo fistigé à part IGF. Donc, mokonzi ya mboka azangi pe ba collaborateur ndenge na retenir na discours na ye. Mususu oyo na apprécier a réaliser que mboka oyo toza uni dans l'effort et par l'essor. C'est pourquoi lobi Congo e coexister te sans ba congolais. Il faut to se défaire na tribalisme. Certainement, il y a banda ko agir sans tribalisme. Parce que Congo est un espace moko géographique. C'est parfois ba action et belé à Zosala. Et Zosua engagement ya batu mususu te. C'est parce que Ezaneti est loko espace moko boy. Et ça, c'est pas bon pour l'unité du pays. Je pense, discours wana, n'engi à lobby. À comprendre en quoi yango à cœur pour que à ça la n'ayez mobuta bande ou ça la n'ayez Kabila bande ou ça la parce que Kabila ce qui a échoué 18 ans na province nyonso et ça n'a pas tout ba peuple les autres tiens bango mis à piquer bango wana basala qui province na biso que ne ribosote mais y en a minute et belé bango banda kolbano et ça bisoté et ça bas ce qui n'est pas une bonne nouvelle et ce qui est vrai aussi. Et donc, nous avons un peu de temps qui est un meilleur collaborateur. Il faut un look. Le Congolais est un bazar. Et puis, disons, à marteler sur la bonne gouvernance. Parce qu'il a parlé, il était dans tous les secteurs. Apparemment, il était l'armée, le bâtiment de la surarmée, à l'armée sous la corruption, à l'armée de Atinda qui a fait une recommandation dans le parlement, à l'armée qui paye. Na o etali COVID-19 a lobaki mo makambo ebele penza a lobaki epi eloko a rassura ki ne bandela bien te intégrité ya Congo esekeli ezala garde
et puis alors la kaki a moi retrahi le Congo et puis la promis en 2023 au salagnoso pour que élection ezala quand même ezala parole ezali pour rassurer classe politique ezali qu'on appelle ba congolais ba bande ke lobi c'est bonne parole wana na sina tanga ngo na ba discours ya Mobutu ya Kabila le père ya na Kabila le fils na sina tanga ba parole wana maintenant le premier zande à l'élite qui a zangi ba mère collaborateur et il faut à Lukabango sans que Lukabango et rien n'est prédit que situation qu'on sera différente d'ici la fin à mandat naïe ce qui a changé batouté parce que les premiers à Congo ils aient abattu n'habitez ceux qui ont tiré l'andana ou tiré ça atelier Mogo na Mbazango ou Torénisa qui 18 provinces ça y kuna. Le problème du Congo, c'est un problème du capital humain. Est-ce que vous avez dit qu'un enfant congolais qui naît aujourd'hui, il est à 37% potentiellement productif? 35%. Je ne sais pas si vous comprenez. 37% potentiellement productif. C'est-à-dire que nous mourons sans être vraiment capables d'utiliser notre potentiel humain par manque à stimulation en tant que les enfants. Et donc, il faut créer rupture intergénérationnelle. C'est comme ça que Bakri wana Kabila alelaki, il peut écoler dans ces termes et qu'aussi là. Et la moindre des choses pour lui, à moyen terme, il faut changer Batou. D'ailleurs, c'est un message lancé au premier ministre actuel qu'il doit préparer son départ déjà. Oh. Effectivement. Et peut-être c'est pourquoi Kamer a été libéré comme ça. Ça, c'est ça le rumeur, mais voilà, les hommes politiques, on a rappelé Moussika, te conseiller en gros. Alors, et là, comme nous sommes qui va troupe ougandaise dans le sol congolais, mais je crois que le chef de l'État a rassuré hier en disant que les Kamboyo, ils allaient pour mettre fin à la trouble de l'Est de la République. Parce que la vie était peu que les Arabes retrouver dans l'Est de la République. Et puis la vie était tout sangana, tout Arabes Moko. La victoire sera congolaise. Donc le chef de l'État a rassuré. Et puis il a éclairci. Si, zone d'ombre sur l'armée ougandaise sur le sol congolais. Bon, Ngaï n'a un avantage. N'a pas militaire. Mais j'ai l'avantage de circuler les coins, les recoins de l'Est du pays. Et sachant un peu la culture. Ngaï n'a lobby. Na pesa ka toujours ndakisa hein voisin nayo ayaki abeti mwasi nayo a violé bana nayo et puis azongi mpuku siko ekoti na lopango nayo ye siko ya ye lisusu po asali sayo na bana nayo po kobenga na mpuku est-ce que vous pensez que c'est pour la bonne foi? Moi, je ne crois pas. C'est parce que nous sommes faibles. C'est tout ce que je peux dire. Étant faible, cette faiblesse, ils ont dit dans Mitou Nabiso, la Congolais. Il suffit seulement miser sur bonne gouvernance. Soldat militaire et foutama bien. Ration à Bango etika kubunga n'engezo bunga wana kishasa. Et comme la Bango. Tuzana batu, tuzana bambulumbulu oyo, ba okusimba na kana maboko, ADF ya kusala, rien. Mais seulement, to créer situation telle que, eza quelques volontaires de bazokende, na est. Pourquoi? Parce que, il y a des privilégiés, domaine moko, et komi négligé, qui fait l'armée actuellement? Combien on paye? Ceux qui ont mis tout le monde à mi-balé, ou mis tout le monde à député, ou salanini, ou sénat, ou au salanini. Tu vois, le problème n'est pas que le salut, la paix définitive doit venir de l'Ouganda. Je ne crois pas, moi. Personnellement, comme Georges Milombo. C'est pourquoi je conseille au régime d'utiliser la gouvernance comme son arme pour amener la paix. Et c'est possible. Voilà. Kembongo etika la koibama.
qu'on gère même mal, l'argent se gère mal, nous sommes indisciplinés, nous Congolais, nous sommes des indisciplinés. Si on était discipliné, non, on n'aurait pas besoin d'un voisin qui a violé, qui a volé chez nous, qu'il vienne maintenant en pacificateur. Puisque vous avez parlé, parce que nous sommes à genoux. Puisque vous avez parlé de l'argent, vous avez parlé de la corruption et de lobby qui est aux alliés, congolais, aux alliés sérieux. On va parler également, il y a IGF qui a été comme ça cité, peine à discours, chef de l'État. IGF, Tokolobaya, a fait grande distinction parce que Mukonzi a indimé à lobby. Oui, bien sûr que IGF est remplacé justice, mais a salué quand même Moussala au IGF, Azali Kosala. Azali Kosala, partagez à Viwana. Au Mouni. Faire de l'IGF au royaume des aveugles borne n'est à la Karoua. Au Moningaï, Nasa Congolais, non? Nous avons initié pour aider la vision du chef de l'État. Est-ce que je suis ministre? Non. Je suis seulement Congolais, non? Nous avons mobilisé fonds à USAID, ton mémé par réforme, par exemple le ministère de l'Éducation. Il faut audit interne. Et à la culture pour que ma frère fonctionnement au gouvernement de la école et à la bien gérer. Mais tu sais ce que ce ministre a fait? Il crée une cellule comme ça d'audit qui bloque les initiatives pour répandre la gouvernance sur l'ensemble du pays. Et il bloque, il est là. Et là il est au Warriors, non? Déjà, le président de la République a montré qu'ils ne sont pas des Warriors. Parce qu'il a dit qu'il manque de collaborateurs, non? Ces projets ne sont pas contrôlés. Le projet de Salamaté et puis réalisation, ils ont posé problème. C'est pour dire en d'autres termes qu'il manque de bons collaborateurs. Voilà les termes que j'emprunte de Kabila. Donc le warrior, il faut tirer les sommes dans le discours de la chambre de l'État. Ils doivent tirer qu'ils ne sont pas de bons collaborateurs de l'État. Tu vois par exemple là, nous proposons pour que la culture de l'audit, de la transparence dans la gestion de l'argent public et Ezala. Et quota à moindre frais. Mais lui crée une autre cellule avec des agents, avec des fonctionnements. Vous comprenez la vision du développement nous échappe, nous brillons dans l'indiscipline. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous les présidents publics ne parlent pas les discours. Qui doivent porter ces discours? Ce sont les soi-disant warriors, non? Pouvoir exécutif, gouvernement. Maintenant là, heureusement que les chefs d'État nous montrent qu'il manque de bons collaborateurs, donc ils doivent être des démissionnaires. Bazala Wariorte. Non, Bazala Wariorte. Ceux qui sont Bazala qui, président Linga Gale Laboïte. Bon, quand il y a un peu de justice, à le biais de justice, c'est ça, malam, mais à relever qui m'a failli et belé, et puis il y a un conseil à magistrature, si possible, pour discipliner, il y a un faux magistrat, parce que sûrement, il y a un peu de parce que il y a clameur public, et il y a un peu de liberté, il y a un et puis Vital Kamere. Là, vous êtes quand même d'accord que le chef de l'État, cette fois-là, a tapé le poing sur la table, à ce moment-là, il y a un faux magistrat, il y a un à la discipline. C'est ce que je suis en train de dire, que nous Congolais nous sommes des indisciplinés. Est-ce que le ministre de la justice s'est arrêté, cette décision là délibérée Willy Bakonga, donc elle ne lit pas cette dame? Vous voyez comment est-ce que les jeunes ne travaillent pas? Tous ces conseillers, la décision là, ce sont des réunions avec l'argent qui se paye du trésor public pour rédiger ça. Ça figure parmi les travaux intensifs. Il se paye au trésor public. Mais des non méritants passent. Non, si nous étions un pays discipliné, il y aurait beaucoup de gens qui seraient sanctionnés. Est-ce que tu as pris pour sanctionner quelqu'un? Tu vois l'indiscipline. Et le président, il souffre comme Kabila, il manque de collaborateurs. Dans le Warriors ne doit pas baser la gamme au Konzamboka agité. Il faut bango moko n'a pas pouvoir bali nango basala musala. C'est ce que je disais ici sur votre plateau, que le malheur du chef de l'État, c'est d'avoir accepté de changer la majorité. Parce que c'est sur base du clientélisme et de la corruption que la majorité s'est créée. Et avec ça, il reste seul à réfléchir. Seul les pauvres. Tout le monde c'est Djalelo. Malheureusement, qui donc tout celui que vous allez citer, il est Djalel.
Je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul pour dire telle institution, tel responsable, il réfléchit. Personne ne réfléchit. Déjà, les députés, tous sont des palissades. Par mérite. Les palissades, ils ont empêché les députés de réfléchir. Mon cher. C'est une honte pour la République. Tu vois, si l'équilibre de nos institutions doit reposer sur la corruption, le clientélisme, le tribalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ambition que le Congo résiste comme une grande nation dans les concerts de nations. Je ne sais pas si vous comprenez les termes que j'utilise. Mm-hmm. Le président de la République a le malheur de rester seul à réfléchir. Et s'il ne réfléchit pas, tout va à... C'est pourquoi il ne peut que se plaindre comme ça jusqu'à la fin de son mandat. Et s'il ne change pas les choses, c'est pourquoi la moindre des choses pour revenir, c'est reprendre par exemple Kamere et placer le Premier ministre. Oui. Voilà, peut-être vous pouvez revoir son partenaire, par exemple Kabila. Mm. Parce que apparemment c'est la meilleure école de ce régime. Hein. C'est ce que Kabila a fait, qui s'est fait aussi. Il a crié qu'il a manqué de meilleurs collaborateurs. Ils n'ont pas fait un effort pour changer ça. Ils viennent encore reprendre la même plainte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Alors, on va parler élection. Le chef de l'État a placé qui peut mot par rapport à l'élection en 2023. Alors, il y a une organisation à l'ingite de l'élection à la libre, démocratique et transparente. Et puis, à Senga qui était ça, la mappé n'a pas délai constitutionnel. Et puis, à ordonner qui bongo n'a parlement, puis n'a gouvernement, bah, quoi, qu'on tire à tiens, mis sur l'enjeu pour que l'élection en 2023. Et puis, bah, Ndeko, bah, ça dit qu'on traînait les pas. Notamment FCC, bah, la boucle va traîner les papes pour la routine là, bah, tout n'a na seni, et seni, bah, ça l'a en haut, parce que machine est allée déjà en marche, élection aux années 2023. On est rassuré, Bino, bah, politique. Bon, ce qui est vrai, si lui-même, le chef de l'État, était rassuré de ce qui s'est passé, il n'enverrait pas les institutions voir le cardinal. Je ne sais pas si vous comprenez. Si lui-même était rassuré, il n'enverrait pas les institutions aller voir le cardinal. Je ne sais pas si vous comprenez. Mm-hmm. Donc, la moindre des choses, nous devons avoir le consensus dans ce pays. Où lui-même doit travailler pour le consensus. Donc, si lui ne travaille pas pour le consensus, les Congo. Je ne sais pas s'il dit, lui-même a dit que les Congolais ne peuvent pas exister sans les Congolais, non? Bien sûr. Voilà. Les Congolais vont l'obliger au consensus. Voilà ce que moi, nous pouvons retenir. On va parler Covid-19 parce que mon Konzambo Kalubaki Yango, à Sénat qui n'a pas de côté, 4e vague Yango et Zali, à Sénat qui n'a pas de côté, il y a un vaccin parce que Zali est le seul moyen où Zali jusque-là rassurant pour éviter maladie à Covid-19. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux pas être un agent démobilisateur ici. Mm-hmm. Mais seulement, j'ai toujours dit que nous sommes à l'ère de l'économie des connaissances. Et lorsque je milite pour la réforme de notre système d'enseignement, ce n'est pas gratuit. C'est lorsqu'il y a des questions comme ça, que nous ayons l'expertise congolaise qui conseille au chef de l'État que voilà, devant une pareille situation... Voilà la position du Congo. Pas subir comme nous subissons. On nous a dit qu'il faut porter des masques. Nous avons porté des masques. Confinez-vous. Nous sommes confinés. Parfois, on se dit, mais ce que nous faisons, pourquoi nous faisons en même temps ceci? On est vacciné, on porte des masques, on doit. Alors, nous n'avons pas de scientifiques pour nous dire pourquoi nous ne pouvons pas où nous pouvons. Tu vois, là où nous, peuple, nous ne nous sentons pas sécurisé par nos dirigeants. C'est lorsque ça s'est dit ailleurs, un autre mot apparaît ailleurs, deuxième variante, si c'est troisième, quatrième, quatrième vague, ce vocabulaire-là, on vient aussi les utiliser chez nous et nous subissons les effets de ce nouveau vocabulaire. Malheureusement, c'est ça la dynamique du capital humain congolais pour lequel nous militons que nous puissions effectivement avoir des Congolais qui connaissent bien certains domaines pour répondre, aider nos dirigeants à répondre tête haute
pas répondre sans être sûr de ce qu'il doit faire. Donc, font la parenthèse, bon, rapidement, et puis tu raison à la discours, on a deux questions de quel côté à discours. Tout le monde a qui n'a niveau à Parlement, PA Sénat, le Cambo, il y a budget. En tant qu'autorité budgétaire, Assemblée nationale, PA Sénat, Talin, Makambo, mais retrouver RAM nulle part. Je compte mon côté, vous allez retrouver RAM. Et puis jusque-là, RAM, ils allaient continuer, on continue à couper le crédit des Congolais, mais silence des morts, dans l'institution, Moutar Golbelango, le sous ses athées, dans le discours à chef de l'État, peut-être, rien, silence des morts, tout ça, on continue à abonner à RAM. Pour Nayo, RAM, compte fictif, ils allaient wapi. Moi, lecture, en tant qu'analyste, avant de continuer, deux petites questions par rapport à discours, on continue. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Tout le monde sait aujourd'hui que c'est une question gérée à la présidence de la République. Si la présidence ne dit rien, vous voulez que moi je dise quelque chose ici? Tous nous constatons que c'est ça la gestion de l'opposition pendant 37 ans. C'est aussi l'arbitraire. C'est aussi ne pas écouter le peuple. Tu vois les conclusions auxquelles nous peuple, nous pouvons arriver. Parce qu'on nous arrache nos 7 dollars sans notre avis. Oui, les textes sont là, mais les textes doivent s'adapter au contexte. On doit quand même nous dire où va cet argent et puis ça l'a pour un bon. Surtout que c'est l'état des droits, non? Où l'état des droits, c'est encore un discours? Comme il manque de coordination, le RAM aussi n'est pas coordonné. Quand même, il y a l'argent qui entre. L'argent entre quelque part, c'est coordonné. Bon, espérons que si le chef de l'État a l'ambition, bon, le silence du chef de l'État, moi, ça me donne l'idée qu'il n'a pas l'ambition de se faire réélire. Oui. C'est ce que je suis en train de pressentir. Peut-être qu'il travaille seulement pour son seul mandat. Voilà, on va revenir au discours du chef de l'État. Plusieurs programmes sont en souffrance. 100 jours, Kine Lenda, Kine Bupeto, autant de projets, ils sont en souffrance. Même au Konzambo, quand le bien était Sengeli Batouba, Landela Yango, Atanga Kimba Barrage, moi et Bélé, Atanga Kimba Kambouyama, Ina Courant, dossier Zali, moi et Bélé, Bandekouba, Landela T. Mais quand même, il a aussi projeté. Pour 2023, bah, grand travaux. En total, ce sujet était 2023, 2022. Et Zali Bongo, déjà, on est à Souka pour nous battre un calcul électoral parce que 2023, nous allons à Némogo électoral. Vous y pensez? Vous y croyez? Parce que, tout le temps, vous savez, moi, micro, bah, Congolais Mingi, moi, espoir, et à causer là, bah, projet, on est si moqué. Oui, dans tous les cas, et comme lui-même a fait ce constat, la moindre des choses, nous conseillons, hein, nous donnons notre avis à ses conseillers. De réduire moins de voyages et de suivre ces activités-là, d'utiliser l'argent des missions à l'étranger, parce qu'une mission à l'étranger, c'est dans les 9000 euros hein, par personne. Et si on va en province, un conseiller peut circuler, je dirais, 5 provinces. Hein. Tu vois qu'on peut bien coordonner les projets du chef de l'État. Vous voyez que s'ils ont l'ambition du pouvoir, Il suffit seulement de rationaliser la gestion. Ils vont bien coordonner parce que le chef de l'État doit crier, doit se plaindre que ces projets ne sont pas coordonnés. Avec plus de 1000 personnels à la présidence, d'un gouvernement de warriors, et que le président se plaigne vers la fin de son mandat que ces projets ne sont pas coordonnés, c'est très malheureux. Si moi j'étais Premier ministre, ça serait déjà l'occasion de préparer mes valises. Voilà. Zali Masola Mboka, Tosali Lelo, je crois que nous avons épuisé nos minutes, hein, 30 minutes, et qui Mwambangu, et Zali qui décryptage Bongo, il y a discours, il y a chef de l'État. Zali, première partie, nous allons encore revenir pour que tout Kolobela Yango tout apporte éclaircissement à la bande de Konosso, Bazali, Kolandabiso. Les fêtes approchent déjà. Peut-être un petit mot par rapport à cela. Et puis, nous allons nous faire un congolais pour nous faire tout. Et puis, 2022, il y a un autre qui est là pour nous faire un congolais en tant que politique. Oui. Je répète les termes du chef de l'État. Il a dit que la situation est difficile. Mais seulement, nous ne pouvons pas tous attendre de ce gouvernement quelque chose.
nous devons travailler. Okay. Nous devons travailler, prendre des initiatives. J'ai dit toujours que, tu vois comment nous avons construit ça à Kinshasa. Aucun ménage n'a reçu un don ou une aide du gouvernement. Ce sont les sacrifices et les efforts de chacun pour construire sa maison selon sa forme. Prenons la même dynamique pour faire les champs, l'agriculture, les commerces, et qu'on oublie ces gestionnaires ici. Sinon, la malnutrition pèse. Nous sommes à 42% en RDC. Et c'est une honte pour nous. S'il faut qu'on nous classe parmi les pays où les enfants sont malnutris. Et plus les enfants sont malnutris, nous avons des enfants, ce sont ces gens-là malnutris qui deviennent des dirigeants et qui sont potentiellement improductifs. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et ça fait que si les gens sont incapables de coordonner les chefs de l'État, beaucoup ont grandi dans la malnutrition et beaucoup n'ont pas été stimulés de la petite enfance. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons créer une rupture pour les générations à venir. Si nous avons échoué, il ne faut pas que nos enfants échouent. Et nous devons faire des réformes utiles, pas des réformes populistes comme on les fait. Et c'est seulement dans ces conditions-là qu'une autre RDC est possible. Et dans la dynamique de l'eau, nous sommes en train de vouloir boire congolais cette fois-ci. Parce qu'on habille, hein, on boit de l'eau qui est toujours produite par des étrangers, dans la plupart des cas. Alors, nous devons nous soutenir. Merci. Et là, il y a de l'eau qui arrive. Voilà. Merci en tout cas, Ndoko Georges. Nous demandons de mettre invitation là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Masolo Mboka Lelo et Sukiawa, Topesibino, Mbote Mingi Naningo Bolanda Kibiso, Kimia Ezala Mabota Nabino, Tokutani Bongo na numéro prochain, na invité Moussousou, Potobeta toujours. Masolo Mboka. Au revoir.